25 années. De Louis Hébert. Monsieur le Président, la liberté est dans l'espace. Le fondateur du Cirque du Soleil mérite encore une fois le titre de digne ambassadeur de la culture et du savoir-faire québécois. En faisant un très grand honneur à toute la nation québécoise, n'hésitant pas à repousser les limites de l'imagination et de la créativité. Son geste est d'autant significatif qu'il s'agira d'orchestrer, à partir de la Station spatiale internationale, un événement artistique d'envergure planétaire au nom de sa fondation OneDrop. Cette dernière a pour mission de sensibiliser la population à la question de l'accès à l'eau potable. Il est à souhaiter que cet événement réussira à inspirer ce gouvernement en matière de lutte à la pauvreté, enjeu y étant directement lié. Au nom de tous les députés du Bloc québécois, j'offre notre appui à ce grand Québécois et j'encourage tous les citoyens à suivre cet événement artistique planétaire le 9 octobre prochain, événement qui se voudra un message de paix et d'espoir. Merci, M. le Président.